خدمتي انا؟ انت يا صحفيه، انت يا صحفيه، انت يا صحفيه. انا مخرجه. انت صحفيه. Pour moi, être primé à Cannes avec l'œil d'or et le prix de la mise en scène, c'est le prix dont j'ai rêvé tant et dont j'ai rêvé longtemps. Et je crois que tous les réalisateurs dans le monde rêvent d'accrocher le prix de la mise en scène à Cannes. La mère de tous les mensonges, c'est ces petits mensonges qu'on tisse dans la famille quand on est petit et qu'on oublie. Mais quand on grandit, on peut faire des films. Donc le crescendo des petits mensonges qui grandissent dans la famille, qui brisent les murs de la maison pour qu'on retrouve des mensonges beaucoup plus grands, peut-être dans le quartier, ailleurs. Et donc voilà, c'est ça la mère de tous les mensonges. C'est l'histoire de la photo que ma mère m'avait donnée à l'âge de 12 ans. Et donc la photo où j'étais pas moi, c'est juste pour m'apaiser. Et donc ce petit mensonge, c'est l'élément déclencheur pour commencer la mère de tous les mensonges. Parce que j'étais en train de chercher à tisser un lien avec mes personnages qui ne sont pas des acteurs et qui vont devenir par la suite des vrais personnages dans mon film. Et 10 ans parce que je devais trouver un dispositif filmique, parce que ce qui est important dans le cinéma, dans le film documentaire, c'est de trouver la manière dont on raconte les faits réels. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à travailler sur un processus qui est à moi, pour arriver à un dispositif qui est unique à ce film, La mère de tous les mensonges. Trouver les moyens et les sources pour financer un film réalisé par une femme ou par un homme, c'est toujours compliqué. Mais le problème se pose quand tu es déjà une femme et quand on ne connaît pas beaucoup, parce que moi je faisais avant des films, mais peut-être que les films documentaires, la place de documentaire au Maroc, ce n'est pas encore comme la fiction. Donc je crois que c'était ça aussi qui était très difficile, c'est comment trouver de l'argent pour financer un film qui a besoin de beaucoup d'argent. Donc on ne réalise pas à quel point les films documentaires ont besoin de beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'on met la main à la pâte. Pour moi, c'était très compliqué d'aller chercher des sommes, de petites sommes ailleurs, à l'étranger, et de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de faire un grand cercle, courir par-ci, par-là, parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir le fonds du Centre cinématographique marocain, qui aide beaucoup d'ailleurs, mais je crois que dans l'avenir, beaucoup de choses vont changer, et c'est pourquoi il faut jamais s'arrêter. En tant que femme, surtout, il ne faut jamais s'arrêter et dire les portes sont fermées. Non, non, les portes sont fermées, c'est vrai. Mais il faut frapper avec toute la force et ça va s'ouvrir.